Atafaya. Atafaya qui nous vient de Sainte-Anne, qui a obtenu le deuxième prix de masse lors, lors de la parade de Guayava. Atafaya qui va nous faire, à mon avis, oui, c'est le numéro 37, c'est ça? Exactement. Et quand Atafaya arrive, là encore, l'ambiance est au rendez-vous. C'est on vous laisse hasard. Profiter. Regardez l'explication. Regardez-moi un petit peu la mise en scène. Il y a une mise en scène qui est au rendez-vous. Si par hasard vous venez de nous rejoindre, eh ben, vous ne ratez, enfin, vous avez raté beaucoup de choses, mais il est encore temps de faire la fête avec nous. Et si vous êtes encore du côté de Grande Terre, descendez, ça vaut le coup. Exactement, on vous donne rendez-vous sur la rue piétonne à Basse-Terre, parce que l'ambiance, encore une fois, comme l'a dit Lisa, est loin d'être terminée. On vous laisse apprécier la mise en scène et on vous retrouve tout à l'heure. Thank you.
pris de moi-même. Et je vais donner à l'autre. Alors, veuillez-moi, mesdames et messieurs. Et attends, mais il y a joué musique, on vous apprend. Demande à vous, il bâtit. Juste te calmer un petit peu. Prestige Style arrive juste derrière nous. Encore une fois, on vous laisse profiter et on vous dit à tout à l'heure. Ils sont jeunes, on les applaudit avec un fort s'il vous plaît. Ils représentent la balance de la vie aujourd'hui. Ils représentent la joie, le bien-être, l'amour, à l'état pur, avec un grand A. C'est la passion de la chimie et l'euphorie du bonheur. Attention, mesdames et messieurs, et aussi au vouloir à 2030 pour nous gratifier de l'opportunité.
l'occasion. Ils nous viennent de Voyave. Ils sont très très jeunes. On nous vient dans les yeux. Ça va se passer actuellement là même. On voit. Attention, on débarque. 7, 4, 3, 2, 1. Il bâti. Nous revoilà juste avant, d'accueillir Tonchimas. Le numéro 39. Eh oui, 39. Donc on est là pour encore très 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 longtemps. Oui. On vous rappelle qu'on va tout vous montrer. On va tout filmer. Ne bougez pas et surtout encore une fois, on salue tous ceux qui sont en France et qui ne sont pas encore couchés. Exactement. Et on s'approche quand même de la fin. Faut pas, d'accord. Mais vous avez encore le temps de venir si vous venez d'ailleurs pour profiter du carnaval de Basse-Terre, l'incontournable. Tout à fait. On les laisse profiter. Allez. C'est parti, à tout à l'heure. Ton team de Pointe-à-Pitre, ils sont là avec nous. Carnaval, yes. Allez.
amis, encore une fois, l'énergie, la passion, le carnaval, l'ambiance. Mesdames, j'espère que vous n'êtes pas fatigués parce que eux ne sont pas fatigués. C'était chaud. Exactement, chaud. Ça réveille, c'est comme un café. On vous rappelle encore une fois qu'il y a déjà un autre groupe sur le tapis rouge et c'est tout simplement le groupe Magma. Là encore, c'est un groupe incontournable ici à Basse-Terre. Faites-moi confiance, le décor va vraiment vous éblouir parce que Magma, c'est une lourde. Magma reste fidèle à sa réputation de chaleur, d'ambiance et puis d'euphorie puisque c'est le thème du moment. Exactement, on vous rappelle que le thème général pour la parade d'aujourd'hui, c'est l'euphorie. Chacun a un petit peu mis l'euphorie à sa sauce, oui. Et ça a vraiment donné un résultat extraordinaire. Aujourd'hui pour Magma, c'est l'appel du grand large qui est le thème choisi. On vous rappelle que Magma est arrivé 3e en caisse claire au Valka Show. Et oui, Magma aussi a un beau palmarès. On les laisse entrer tranquillement sur le tapis rouge. On va vous laisser apprécier le char qui est vraiment exceptionnel. Vous voyez ça de loin, c'est magnifique. C'est beau, honnêtement. En plus, il passe de nuit, donc honnêtement, les lumières vont vraiment vous éblouir. Vous êtes en HD. Ça scintille de mille feux. Exact. On a hâte de vous montrer tout ça. Restez connectés sur ETV. Ne zappez pas. Et où que vous soyez, votez pour vos groupes préférés via le net. Ou sinon, envoyez-leur un petit message d'encouragement parce que ça fait toujours plaisir. Encore une fois, ils ne sont pas payés, ce sont des bénévoles. Ils ne dorment pas la nuit. Au moins 6 mois avant le carnaval, ils ne dorment pas. Donc encore une fois, encouragez-les, envoyez-leur du love. On vous laisse profiter. On profite et puis on va voir ce que l'appel du grand large nous promet. L'appel du grand large. À tout à l'heure. À tout de suite. Applaudis. Tu veux quelque chose qui pèse là, il est dans la glacière. Comment? Tu veux quelque chose dans la glacière. Des applaudissements pour ce micro, s'il vous plaît, ça le mérite amplement. On a tous le rêve, du moins le souhait, de quitter notre île en quête d'aventure, de découverte, d'évasion, de changement d'air. Les préparatifs de ce départ sont déjà des moments d'exaltation, de frénésie. On se projette ce moment vers les horizons qui nous attendent. Enfin, le départ est toujours un moment unique. Celui qu'on le vit chaque minute. Celui où on s'en va avec un peu de peine, mais avec tellement de désir de vivre autre chose. Le départ est un moment d'euphorie extraordinaire quand il est souhaité. Poisson symbolisant le départ vers le grand large. La croix des danseurs
et Devinan représente les voiles d'un bateau et le souffle du vent sur l'océan. Voilà donc le thème de nos amis de Mamba aujourd'hui. Ils vont avoir exactement 2 minutes 30, pas une seconde de plus. Ils vont gratifier de la prestation. Ouvrez bien grand les yeux, mesdames et messieurs. Ça va se passer là, maintenant, une fois même. Attention au décompte. 5, 4, 3, 2, 1, il bat. Alors un petit mot pour toute la Guadeloupe qui nous regarde ce soir. Alors je dis à tout le monde,
de bien s'amuser et de bien prendre soin d'eux. Parce que pour moi, c'est très difficile. Est-ce que vous avez de la famille en France? Parce que vous savez que la France nous regarde actuellement. Mais tous les Guadeloupéens, une parente, une soeur, une tante, mes copains, je les embrasse. Oh, merci, on vous embrasse aussi, merci. Elle est mignonne. C'était super gentil. Rappelons que Magma avait remporté le deuxième prix de groupe Caisse Claire pour la parade de Goyave. Exactement, voilà. Qui a remporté le troisième prix lors du Val Cachot. Voilà. Tout de suite, on a Créole Star qui entre déjà sur le tapis rouge. On vous laisse profiter de l'ambiance vraiment et à son paroxysme. Bah, alors là, on peut pas aller plus haut. Là, on est franchement en feu. J'ai l'impression que la parade vient tout juste de commencer. Ah oui, c'est vrai. C'est exceptionnel. Le temps passe à une vitesse. Sirène. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On vous laisse admirer ça et on vous rejoint tout à l'heure. Suite. Thank you.
l'invitation et la sirène est attendue dans les rues de Bastère. Je vous ai posé une question en direction de la ville de Bastère. En noir. Alors, c'est un bélier, même le bélier, c'est un bélier. Je ne vais pas faire mon chauvin, mais c'est l'un des meilleurs de toute la Guadeloupe. Le groupe nous vient de Bastère. Oui. Le groupe est incontournable. On avait fait un TV en commune où il vous disait on ne va pas tout vous révéler sur notre prochain char parce qu'il sera exceptionnel. Maintenant, sur le tapis rouge, ici même, mardi gras Bastère, c'est le groupe Volcan. Volcan qui célèbre les victoires guadeloupéennes. Alors, préparez-vous à avoir un char exceptionnel. On ne va pas parler trop, on va vous laisser apprécier. Volcan, augmente, poussez les meubles, augmentez le volume, dansez chez vous. Ils étaient là hier. Parce que ça va être le feu. Ils étaient là hier. Et ils n'ont pas, ils étaient en concours, ils sont juste venus pour le kit. Oui, voilà, juste pour défiler, oui. On les regarde ? On le regarde avec passion, plaisir et amour. Volcan sur le tapis rouge. On dit Bastère, on dit synthé, encore une fois, donc là l'ambiance vraiment va être à son maximum. Voilà le décor, je n'ai pas entendu véritablement les applaudissements. C'est une victoire guadeloupéenne, ils ont choisi de mettre une coupe, une coupe de victoire, un trophée pour leur char. Thank you.
Souvenez-vous de Roger Bambuc, Marie-Josée Pérec, Patricia Girard, Christine Aron, Muriel Ortiz, ces athlètes qui nous ont fait vibrer pour ne citer que cela. Rappelons-nous aussi de Marius Trésor, Jocelyn Angloma, Lilian Thuram, Thierry Henry, William Callas, c'est presque du ballon rond. Mémorons-nous Michael et Florent Pietrus, Michael Gélabal, des basketteurs de génie qui forcent l'admiration. Et n'oublions pas les autres, hein. Edmond Roger, Maurice Calton, premier olympien guadeloupéen lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Noël, noël, le judoka Teddy Riner, incontournable, inimitable, inégalable. L'escrimeuse Laura Flessel, le joueur de tennis Gaël Monfils, le boxeur Jean-Marc Mormec, le cycliste sur piste Grégory Boger, le handballeur Didier Dinard, et la liste n'est pas exhaustive. Est-ce qu'on peut applaudir tous ces champions guadeloupéens qui nous ont fait vibrer? Bayon Belfort, s'il vous plaît. Merci à eux de nous avoir fait vibrer. En tout cas, Volcan a décidé aujourd'hui de les mettre à l'honneur. L'euphorie de la victoire, nos victoires guadeloupéennes. Attention, 2 minutes 30, préparez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, Imagine.
Il mérite tous vos applaudissements, nos amis de Volcan. Volcan de Bastia, on les applaudit plus fort que ça, s'il vous plaît. Merci pour cette belle prestation et continuez dans les rues de Bastia. Vous êtes chez vous, on rejoint à domicile. Je sens pertinemment que nous l'homme en ville là quand on sort. Jouez musique, monsieur Tiklo, là, il bâti. Bon, les fous favoris, c'est Papy Rex, c'est Ruiner, c'est Flessel, c'est les trucs qui nous ont bien représentés. Et c'est ça notre euphorie à Volcan, les victoires guadeloupéennes en fait, quoi. Merci, président, on vous laisse filer sur la rue des Tannes.
sentait pris dans la chaleur du volcan. La chaleur du volcan. Et oui, c'est ça, un groupe qui nous vient de Basse-Terre et qui est vraiment incontournable ici. Encore une fois, la spécificité, c'est bien sûr les synthés. On adore ça, ça met l'ambiance. Et franchement, on kiffe. Et sans, mais bien sûr, sans parti pris, puisque tu es complètement fan de ce groupe. Hein. Pas du tout, mais pas du tout. C'est juste qu'ils sont bons, on va pas se mentir. Le groupe Volcan est excellent. Et ils viennent de Basse-Terre. Exactement, on vous rappelle encore une fois qu'ils continuent leur trajet dans toute la ville de Basse-Terre. Ils vont passer devant la cathédrale, faire un petit demi-tour devant la mairie, passer dans la rue piétonne et s'ambiancer jusqu'au bout de la nuit. Donc franchement, si vous êtes chez vous, venez, n'ayez pas peur. Si vous êtes à Basse-Terre, venez, descendez, venez nous rejoindre. Et bientôt, le groupe à suivre, c'est le groupe Foudla. Exactement, eux aussi utilisent le synthé, eux aussi vont mettre l'ambiance, eux aussi vont réveiller un petit peu le public qui est juste derrière. Volcan, c'est le public qui n'est pas endormi. Hein. Il n'est pas endormi parce que Volcan est passé et parce que Volcan a mis le feu. Eh oui, on vous rappelle qu'ils sont là depuis au moins 9h30 du matin. Je salue vraiment le public basse-terrien parce que là, vous assurez, vous allez faire au moins 24 heures dans les rues de Basse-Terre en mode carnaval. C'est du lourd, c'est chaud, en plus il n'a pas plu, on a vraiment été bien. Mais vraiment, quelle bénédiction. Il n'y a pas plu, même pas une petite fifine, rien du tout, que du soleil, que des éclaircies. Et puis quand le soleil est parti, eh bien, on a eu la lumière de tous ces groupes qui ont défilé pour vous et qui continuent encore de défiler. Exactement, on vous rappelle juste qu'il y a trois jurys. Il y a un premier jury justement au tout début de la parade, il y a un jury ici même au Champ d'Arbaud, et puis bien sûr il y a un jury en ville, et sans oublier le jury volant, c'est-à-dire qu'il se déplace un petit peu partout, histoire de voir si rien n'a bougé, rien n'a changé, et si la ferveur est toujours la même. Avant que le groupe Foudla arrive, j'en profite pour encore remercier nos sponsors, Sixt, à l'agence Panchard, évidemment, la Nina des Îles, la société Vega Assurance qui se trouve à la fois à Sainte-Rose mais aussi à Jarry, et puis les Cafés Cholette pour nous tenir bien éveillés. En tout cas, si vous sans oublier Blandin pour la lumière. Exactement, si en tout cas vous êtes endormis, le groupe Foudla de Basse-Terre vient pour vous réveiller. On les laisse rentrer tranquillement avec leur synthé. Exactement, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Vous avez le décor, vous avez le gâteau, le champagne, le café, enfin, tout ce qui représente le groupe Foudla. Et ils nous ont décidé de nous proposer comme thème la joie de vivre. Alors, la petite explication est la suivante. Nous venons partager une fois de plus avec vous aujourd'hui le bonheur, la joie que nous ressentons chaque année dans les rues de Guadeloupe lors de nos parades. Cependant, cette année est différente quand nous fêtons nos 10 années d'existence. Est-ce que nous pouvons applaudir vous là 10 ans, s'il vous plaît. Nous vous présentons notre cocktail de saveurs Foudla qui se compose de respect, écoute, entente, éclat de couleur, de fou rire, ambiance, bonne humeur, motivation qui ont permis au groupe de passer ces années malgré les difficultés. À l'occasion de nos 10 ans, dans un esprit festif, nous tenons à partager avec vous une chorégraphie, un costume de joie de vivre, de Foudla, un instant magique, magnifique, féerique, venant émerveiller grand et petit. C'est grâce et avec vous, public, que nous pouvons fêter aujourd'hui ces 10 ans, car vous avez compris que ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien lorsque nous sommes rassemblés, que tout est magnifique. Applaudis Foudla, maman, s'il vous plaît, maman. Justement, après toutes ces belles paroles, nous allons pouvoir apprécier la chorégraphie durant 1 minute 30. Attention, 7, 4, 3, 2, 1, il bat.
Je vais passer de sa peine finalement.